was going to fly from my seat to here. Wasn't it great worship? Amen. Shalom, shalom et bienvenue à la congrégation Bethariel et aussi ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, OnePlace.com et à travers d'autres médias. Aujourd'hui est un jour quand même spécial. On regarde Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour de l'expiation, le sixième fête d'Israël, le sixième festival, un festival qui est considéré comme le plus important de tous les sept trouvés dans Lévitique 23. Le jour lui-même, selon le calendrier biblique, arrive ce mercredi au coucher du soleil et se termine à la tombée du jour le jour suivant. Durant cette journée, la plupart des Juifs, partout dans le monde, religieux ou pas, athéistes ou agnostiques, se rassembleront dans les synagogues pour prier et pour jeûner. C'est un jeûne qui dure 25 heures. Le titre de cette fête, le jour de l'expiation, explique vraiment ce que cette fête est le sujet de cette fête. Ça parle de péché, de confession, de repentance et ultimement de rédemption. C'est reconnu comme étant un jour de repentance nationale et individuelle basé sur la compréhension de Lévitique 16:30 qui dit « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier ». Durant cette journée, la nation d'Israël se ferme complètement, en fait. Il n'y a pas de transport public, il n'y a pas de services gouvernementaux, il y a même la télévision cesse ses opérations pour la durée de la journée, et même les aéroports ferment leurs portes. Et la nuit avant, des dizaines de milliers de gens s'en vont au mur des Lamentations pour prier, pour se préparer pour cette journée longue et solennelle qui est Yom Kippour. Le Talmud lui-même donne tout un tractat pour cette journée et l'appelle Yoma. Le jour, il parle avec beaucoup de détails des ordonnances du temple. Certains d'entre eux, nous verrons ensemble. C'est donc ma prière qu'à travers cette étude de cette grande fête que nous allons puissions voir l'importance de la sainteté, le péché, la repentance, et spécialement à travers beaucoup de types et de symboles qui nous pointent vers le Messie, qui remplit cette fête pour nous et qui se tient à chaque coin pour nous bénir et pour nous sauver, pour sauver quiconque va vers lui. Et à travers, on verra aussi qu'il y a un sentiment d'urgence et un sentiment très solennel. Dans l'eschatologie, ce festival, cette fête est la dernière avant cette deuxième venue. La deuxième venue du Messie et devance la fête des Sukkot ou tabernacle qui symbolise le millénaire ou l'état messianique, et l'entrée du Messie dans l'ère messianique. Et l'entrée dans l'ère messianique d'une personne dépend de l'attitude envers Yom Kippour et le Messie, qui est le même thème à travers toutes les Écritures. Avant qu'on entre... Alors, avant de commencer cette étude, appelez vos enfants, mettez vos mains sur eux pour qu'on puisse prier pour eux et pour leur protection. Ô Dieu, crée en nos enfants un cœur pur, renouvelle en eux un esprit bien disposé. Comme Moïse a prié, que nos filles et nos fils aillent après l'Éternel, notre Dieu, et le craignent, qu'ils observent ses commandements, qu'ils obéissent à sa voix, qu'ils le servent, qu'ils s'attachent à lui. Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, notre Dieu, marchera avec lui, même avec toi, ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Et comme Salomon priait, toi, si tu marches en ma présence, comme est marché David, ton père, avec la sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, observe mes lois et mes ordonnances. Et comme Timothée a prié, que nos enfants soient un exemple, un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté.
Alors, Béchem, Yeshua HaMashiach, merci beaucoup. Alors, on peut commencer l'étude dans Lévitique 23 avec les versets 26 à 30. Et puis, ça doit être un des passages les plus sérieux dans toutes les Écritures. Alors, nous pourrons lire les 5 versets. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. » Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Remarquez comment le texte répète des mots clés. On parle du mot humilier ou rana qui est mentionné 3 fois. Le mot expiation, kapar, est aussi mentionné 3 fois. Et avec ces mots, nous avons d'autres qui accompagnent ces mots. Nous avons d'autres mots très puissants pour ceux qui ne s'humilieraient pas et ne rechercheraient pas cette expiation. On a le mot retranché dans le verset 29, un mot qui veut dire pour être rejeté de la communauté ou même tué. Les commentateurs rabbiniques ont opté pour la deuxième option parce qu'ils disent que ce mot dans ce contexte est expliqué dans le verset 30 avec le mot détruire. C'est le mot détruire qui est en hébreu abad, d'où on a le mot abaddon qui est un nom utilisé dans le judaïsme pour l'enfer, un mot très puissant qui parle l'attention du lecteur. Alors, on demande à la personne de s'humilier pour éviter la destruction. Mais qu'est-ce que ça veut dire de s'humilier? Comment on humilie? Le mot lui-même le dit, le mot est premièrement un mot qui est similaire à la repentance. Ça veut dire de se retourner, de faire face à autre chose ou quelqu'un d'autre. C'est ce mot qui est utilisé aussi quand on parle d'une personne, de répondre, de testifier, de donner un témoignage. C'est un mot qui apporte la personne face à face, premièrement avec lui-même et aussi devant Dieu. Et quand le Seigneur demande à l'homme, venez et plaidons avec lui, comme quand Dieu demandait à Israël de faire dans Ésaïe 1:18. C'est le début du salut. Et alors, c'est cette journée, le Yom Kippour, où les gens on demande aux gens de confesser leurs péchés et de venir se purifier devant Dieu. Et pendant que le jeûne lui-même n'est pas mentionné dans le texte de la Torah, le jeûne a été inclus en lisant d'autres textes, tels celui de David qui dit dans Psaume 35:13, « J'humiliais mon âme par le jeûne ». D'autres ont lu les mots et ont compris des paroles, « Vous humilierez vos âmes », qui peut aussi être lu comme étant de priver vos bouches, votre gorge, ce qui veut dire jeûner. Le mot âme, nefesh, dans l'hébreu, peut des fois être traduit comme étant la bouche, comme dans Ésaïe 5:14 qui dit « Le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure ». Le mot bouche et nefesh, le même mot utilisé pour l'âme. Alors, les Juifs jeûnent 24 heures plus une heure, ce qui apporte le jeûne à 25 heures au total. Et la scène dans la synagogue durant cette journée est très touchante. Une chose qui me touche le plus quand je pense à ces journées, ces longues journées de prière dans les synagogues durant ma jeunesse, ce sont ces rares moments entre les prières. C'était tellement silencieux, on pouvait entendre une mouche voler. Et puis les gens étaient tellement concentrés en lisant leurs prières, leurs livres de prières. Une chose que je me rappelle d'une façon très vivide, c'est dans
des jours, dans mes jeunes jours à Casablanca, le zèle, la foi, la ferveur, que ces personnes juives démontraient dans cette journée, en priant toute la journée, de tôt le matin jusqu'à la soirée. Et tout ceci, ils faisaient sans manger ni boire, sans aucune autre parole sortant de leur bouche que des paroles de prière. Mais à la fin du jour de Yom Kippour, ça, c'était ce qui était le plus touchant. Comme la journée se terminait, les prières, les confessions et de péché devenaient encore plus émotionnelles et prononcées. C'était toujours très touchant comme moment. La liturgie des synagogues à la fin des journées, à la fin de la journée de Yom Kippour, est divisée en trois sections. La première partie était le Hachamnou, qui veut dire nous avons péché, et c'est la confession courte qui parle de 24 transgressions qui décrit des péchés généraux comme on prêt on et il priait faisant face à l'endroit où était la Torah, où la parole de Dieu est. Et ils disaient tous, nous avons été rebelles, nous avons été agressifs, nous avons été calomnieux. La deuxième partie devient plus personnelle et s'est appelée Al-Khait, qui veut dire le péché que nous avons commis, et c'est la grande confession. Et c'est plus long et c'est plus spécifique comme liste, et ça contient 44 transgressions qui commencent comme ça. Pour les péchés que nous avons péchés devant vous de force ou volontairement, et pour les péchés que nous avons péchés devant vous en agissant sans cœur, en public et en privé, sciemment et par tromperie. Mais c'est la troisième et dernière partie du service, le Néla, qui veut dire la fermeture des portes, qui est une prière qui est très touchante, qui dure presque une heure. Alors, à ce point dans le temps, l'arche où la parole de la Torah est gardée est ouverte, et dans les synagogues, jeunes et vieux sont sur leurs pieds en priant et en confessant de plus en plus fort. Et puis, ils tapent leur main droite sur leur cœur avec chaque confession qu'ils font. Durant ce temps dans le service, il y a un ton de désespération qui est dans les prières. Les gens sont pris avec en étant complètement désespérés, désemparés devant Dieu. Alors, cette dernière partie du service est référée comme étant la fermeture des portes. C'est considéré la dernière opportunité de confesser les péchés devant, avant que les portes des cieux soient fermées. Et puis finalement, à la fin, on termine avec le chauffard. À la fin de Yom Kippour, un grand moment de relâchement, comme chacun donne la main à son voisin, et chacun ont l'espoir et sentent que leurs prières ont été entendues et qu'il aurait une autre année où leur nom serait inscrit dans le livre de la vie. Et puis ensuite, il y avait l'appel à manger et la vie reprend son cours à la fin de Yom Kippour, comme ça. Alors, ces scènes sont répétées chaque année pour plusieurs Juifs, comme ça se tient comme étant un exercice important dans la reconnaissance de leurs péchés et de la repentance de leurs péchés. Alors, c'est bien, même très bien de prier, de se repentir le jour de Yom Kippour, comme ça un message puissant qui devrait être au centre de toutes les prières. La question est, où la repentance et l'humiliation qui veulent tous les deux dire se retourner et guider les gens vers Yom Kippour. Quelle sorte de changement est-ce que le jour de l'expiation, le jour du grand pardon, demande de chaque personne? En regardant les éléments de Yom Kippour, ils parlent tous en unisson à propos de celui qui viendra transformer ses prières et repentances dans la vie, en vie éternelle, c'est-à-dire le Messie lui-même. Yeshua a dit au peuple juif dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Alors, où est le Messie dans Yom Kippour? Alors, on peut commencer avec le passage de la Torah qui est lu dans Yom Kippour, qui est Lévitique 16, qui, à cet endroit, on trouvera le Messie. En fait, c'est assez difficile de manquer. Alors, ce chapitre est à propos du service de Yom Kippour au temple, et voyons comment ça commence. Alors,
lorsque ça dit dans le verset 1 de Lévitique 16, l'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. C'est comme ça que le service de Yom Kippour commence, avec la mort de deux prêtres. Alors, c'est pas très invitant, mais pourquoi est-ce que les deux fils d'Aaron sont morts? La raison qui est donnée ici, c'est parce qu'ils ont approché, ils se sont présentés devant l'Éternel. Mais on sait que dans les autres textes, ils ne sont pas présentés d'une façon qui avait été décrite par Dieu. Alors, directement en commençant, on doit ajuster notre approche, nos prières de repentance quand on s'approche de Dieu. C'est comme ça que Yom Kippour commence, le jour du grand pardon, le verset suivant. C'est comme si une nouvelle section se commence, se débute. Remarquez presque les mêmes mots au début de chaque verset. Qui sont répétés deux fois. Alors, ce que ça dit dans le l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire ou dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Voyez ce que la personne la plus importante en Israël, le grand prêtre, ne pouvait même pas approcher Dieu de la façon dont il voulait. Il pouvait entrer le Saint des Saints où la présence et l'arche de l'Alliance étaient seulement à Yom Kippour. C'était la dernière. C'est la dernière pièce qu'on peut voir sur l'image. Alors, prenons un moment de comment ça nous affecte. La vérité est aucun Israélite, personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu, excepté ce seul homme, ce grand prêtre, et seulement une journée spécifique sous plusieurs régulations et règlements. Si tel est le cas aujourd'hui, personne n'a la moindre chance de rencontrer Dieu. Est-ce que vous voyez où cette fête nous apporte, où ça nous apporte au besoin d'avoir un médiateur? Et encore mieux que ce grand prêtre, parce que c'est clair que lui-même est très limité et lui-même a besoin d'un médiateur, parce que lui aussi est un pécheur comme nous le sommes tous. Alors si Aaron et Moïse ne pouvaient pas sauver Israël, qui donc pouvait la sauver? Moïse parle d'un médiateur qui doit venir dans la Torah. Il parle d'un médiateur comme il parle de lui-même. Remarquez que Dieu parle à Moïse et non pas à Aaron. C'est ce que Moïse a dit dans Deutéronome 18:15 et 18b. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et le Seigneur dit aussi, et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Alors, si Moïse et Aaron étaient assez pour sauver Israël, un autre n'aurait pas été nécessaire. Mais lui seulement est le Messie. Alors, qui est donc ce prophète, ce grand prêtre? Notre réponse est trouvée dans le livre des Hébreux qui mentionne le grand prêtre 88 fois et qui pointe toujours vers Yeshua. Parlant de lui comme étant notre grand prêtre, ça dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices? D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux 7, 26-27. Considérant les grandes difficultés du prêtre et du grand prêtre de remplir leurs tâches, et maintenant qu'il n'y a aucun temple, aucune prêtrise qui fonctionne, l'office de grand prêtre est rempli par le Messie lui-même. De souverain sacrificateur est rempli par le Messie lui-même. C'est pourquoi dans les premières années de l'Église, ils s'attendaient que le Messie soit prêtre. Les Essènes qui ont écrit les manuscrits de la Mère Morte cherchaient le prêtre Messie. Mais c'est seulement au début du chapitre 16. Et dans les 32 versets qui continuent après ceux-ci, ça pointe d'une façon assez très consistante vers la nécessité d'un Messie.
Alors, je dois vous apporter certains de ces points et vous voyez comment c'était difficile pour le grand prêtre au temple de remplir cette tâche. Il était toujours en danger de mort. Par exemple, dans le Talmud, dans le livre de Yoma, ça relate que 7 jours avant Yom Kippour, ils déménageaient le grand prêtre dans un endroit spécial au temple où il exerçait toutes les actions nécessaires sans arrêt jusqu'à pendant qu'il était dans l'endroit saint, parce qu'ils avaient peur qu'il mourrait durant cette tâche. Alors, la nuit avant Yom Kippour, il le gardait debout toute la nuit pour empêcher qu'il soit sali par peut-être des rêves, pour éviter que le grand prêtre s'endorme. Les autres prêtres le gardaient réveillé en claquant des doigts, mais en ne le touchant pas avec lui. Et s'il ne pouvait pas garder ses yeux ouverts, il le faisait marcher sans habit dans le froid pour ne pas qu'il s'endorme. Et quand on arrivait au jour de Yom Kippour lui-même, le grand prêtre devait faire 5 immersions complètes et puis 10 fois se laver les mains et les pieds. Durant cette journée de plus, le grand prêtre devait changer ses vêtements 5 fois et il devait le faire très rapidement parce que la journée était remplie de sacrifices et d'ordonnances. Mais pourquoi changer ses vêtements 5 fois durant la journée de Yom Kippour? Et c'est à cet endroit que je vais vous apporter à considérer comment nous voyons le Messie à travers tout ceci. Si le grand prêtre devait changer ses vêtements 5 fois durant la journée, c'était dû au nombre de temps, de fois qu'il devait sortir de l'endroit saint et aller à l'intérieur du tabernacle. Durant le jour de Yom Kippour, le grand prêtre avait 2 vêtements, un vêtement doré de 8 pièces, 4 contenaient de l'or, et le vêtement blanc, 4 pièces qu'on voit ici. Et puis son vêtement blanc était seulement porté le jour de Yom Kippour et seulement quand il entrait dans la présence de Dieu. Et ça a été ordonné tout ceci dans Lévitique 16:4 qui disait « Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. » En ordonnant ce changement de vêtements fait d'or, de pierres précieuses, vers un vêtement qui était de lin, ça démontrait l'humilité qui était nécessaire quand on est appelé à approcher Dieu. La première chose qu'on voit ici, c'est quand on parle de Dieu, nous devrions être enlevés de toutes les prétentions de la fierté, de l'arrogance, et c'est une des clés pour avoir une prière et une repentance qui sont efficaces. Mais ces 2 vêtements étaient prophétiques en eux-mêmes. Est-ce qu'on peut voir que Messie dans ces 2 venues? Alors, celui qui est venu de l'éternité est venu d'une façon humble, comme Michée dit, et comme on peut lire dans Philippiens 2, versets 7 et 8, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ici, dans cette illustration du grand prêtre, on voit un roi qui est venu mourir pour son peuple, et c'est ce que Yeshua a fait. Et quand Yeshua a été apporté devant le tribunal, il portait lui aussi une simple tunique. Ces 2 tuniques étaient sans couture. On sait que la tunique du grand prêtre était sans couture, comme Josephus nous dit, Jean prend le temps de nous dire que Yeshua, que sa tunique aussi était sans couture. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est dans Jean 19, 23. Et le même mot en grec, chiton, est utilisé dans la Septuagène pour décrire la tunique du grand prêtre dans Lévitique 16 et spécialement dans le verset 4.
Pendant que le temple était encore debout, les croyants juifs lisaient l'évangile de Jean, devaient faire cette relation entre le grand prêtre, le jour de Yom Kippour, et la mort et la résurrection de Yeshua. De plus, le Talmud dit que le prix de la tunique du grand prêtre était très dispendieuse. On disait que ça coûtait 800 sus. Un sus était équivalent à un denarius au temps de Jésus, ou le salaire d'une journée. Alors, c'était très dispendieux, l'équivalent de 3 ans de salaire. Alors, est-ce qu'on se rappelle comment les soldats romains ont fait à propos de la tunique de Yeshua? Dans le verset de Jean 19, on dit: « Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. » Voilà ce que firent les soldats. Verset 24. Et s'ils avaient décidé de ne pas déchirer et plutôt de tirer au sort qui la prenait, c'était certainement parce qu'elle était reconnue comme étant une tunique de lin qui était très dispendieuse, qui avait une belle valeur. C'est aussi une prophétie qui a été accomplie de Psaume 22:18 dans le chapitre de la crucifixion dans les Écritures hébraïques. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le mot vêtement dans l'hébreu de Psaume 22:18 est le même qui est utilisé dans le vêtement du grand prêtre Bered, ou aussi dans Lévitique 16, verset 4. Alors, on a maintenant le mot grec et le mot en hébreu qui parlent tous les deux d'une connexion faite entre le grand prêtre et Yeshua. Le fait que Psaume 22 parle de la crucifixion apporte encore plus de connexion entre la mort du Messie et l'office du grand prêtre. De plus, un deuxième verset dans Psaume 22:18 pour vêtements, les bouches, est utilisé dans le verset 23 de Lévitique 16, qui décrit aussi les vêtements du grand prêtre. Et dans ce sens, les Écritures nous apportent à voir le Messie dans son accomplissement ultime comme étant notre grand prêtre. Mais il y a une chose de plus que le prêtre devait faire avec la tunique à la fin de sa journée. On lui demandait de retourner à l'endroit saint et de laisser la tunique à cet endroit. Ceci, on trouve dans Lévitique 16, 23. Aaron entrera dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin qu'ils avaient mis en entrant dans le sanctuaire et il les déposera là. Mais pourquoi il devrait laisser le vêtement à cet endroit? On ne nous le dit pas. On ne nous dit pas non plus où dans le sanctuaire il devait le laisser ou combien de temps il devait rester dans cet endroit. Peut-être qu'il devait rester là jusqu'au prochain Yom Kippour. Peut-être qu'il devait rester là jusqu'à l'année où le Messie viendrait lui-même et l'apporterait lui-même pour remplir ce rôle de grand prêtre pour tous, pour une fois pour toutes. Le vêtement de lin était un rappel constant de celui qui devait venir en humilité et non pas comme étant un roi. On se rappelle quand Pierre a entré la tombe vide, il a remarqué qu'il y avait une chose qui avait été là, laissée là, et ça dit: s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé. Luc 24, 12. Durant ce temps, le voile du temple qui avait été déchiré du haut vers le bas, indiquant que le Messie venait ouvrir la voie vers Dieu pour tous les hommes, comme c'est écrit dans Hébreux 7:28, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alors c'est ce c'est ce Messie qui accomplit Yom Kippour pour nous. Alors, le rôle du grand prêtre et du vêtement de lin sont seulement certaines des choses qui dirigent le lecteur vers le Messie le jour du grand pardon. En addition, il y a deux choses que je veux vous apporter, deux événements majeurs qui sont arrivés autour du temps que Yeshua est mort et ressuscité. Les événements
nous sont données dans le Talmud, lui-même. Dans les offrandes qui ont été données au, qui étaient données au service de Yom Kippour, dans Lévitique 16, il y a un sacrifice qui est un peu différent. Les prêtres ont demandé aux prêtres de prendre deux chèvres qui devaient être similaires. Une, ils devaient la sacrifier et l'autre, ils devaient la laisser aller dans la nature. Quand le, ce que le Talmud dit à propos de la chèvre qui devait être laissée aller, il mettait un ruban rouge sur ses cornes et comme, comme la chèvre s'en allait, le ruban devenait blanc. Alors, en voyant ceci, ils comprenaient que le Seigneur avait pardonné leurs péchés. Basé sur Ésaïe 1,18, ça dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront la laine, comme la laine. » Mais une année, selon leurs propres écritures, le ruban ne s'est pas transformé, n'a pas changé de couleur. C'est ce qui est écrit dans le Talmud. Il a été enseigné 40 ans avant la destruction du temple. Le ruban cramoisi est resté cramoisi. Ceci, le ruban n'est pas devenu blanc comme il l'a fait dans une centaine d'années précédemment. Et c'était l'année d'environ 40 ans avant la destruction du temple. Le temple a été détruit en fait en l'année 70, ère commune. 70 moins le 40 ans, ça nous apporte à 30 ans, ère commune, l'année autour de laquelle Yeshua a été crucifié. Et puis, à partir de ce moment exact, le ruban a arrêté d'être blanchi durant cette tradition. C'était la première fois que ça arrivait. Alors, considérant ces deux choses qu'on a vues, on peut se poser une question. Quel est le message principal de Yom Kippour ici? Comme on a vu, le mot humble et affligé, c'est une condition que le Seigneur demande à chaque Juif de mettre en pratique cette journée-là. Ce mot, à la base, veut dire de se retourner, de faire tshuva, de retourner à leurs racines envers Dieu et voir que le Messie est celui qui a rempli cet office de souverain sacrificateur ou grand prêtre et qui est prêt à sauver quiconque vient le voir et reconnaît son travail et sa parole. Certains demandent comment est-ce que je me repens, comment je connais la réalité entre moi et Dieu. Vous le saurez parce que la repentance vient de Dieu lui-même. C'est un Dieu qui vient de lui. Sa Ruach HaKodesh vous le laissera savoir. Elle vous donnera un sens inné de détection du péché dans votre esprit. Par contre, c'est un moment critique parce que vous pouvez le bloquer aussi en durcissant votre esprit et en essayant de raisonner tout ça. En fait, c'est la réponse la plus commune de se refermer, ce besoin de repentance et de se retourner et s'éloigner des cadeaux gratuits de Dieu. En fait, le fait est que très peu acceptent ce cadeau de repentance. Alors, ça peut être aussi vrai pour des croyants qui refusent d'entendre l'appel de Dieu, comme ceux qui cherchent, ça dit dans les psaumes et dans le livre des Hébreux, même trois fois. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Psaume 95:7, Hébreux 3:7, 15 et 4:7. On se rappelle que dans le désert, après 40 ans, il y avait seulement deux personnes, Josué et Caleb, qui sont entrés dans la terre d'Israël, de toutes ces centaines de milliers de personnes. Alors, aujourd'hui, cette majorité n'a pas entendu, n'a pas écouté, et on voit dans l'histoire biblique que la vérité était souvent trouvée seulement par la minorité, parce que les prophètes étaient toujours rejetés, ceux qui élevaient la parole de vérité. Comment donc devrions-nous prier pour la confession et le salut?
Alors, on terminera cette étude en regardant la prière de confession, une prière qui est puissante et une prière qui a été dessinée pour Yom Kippour, le jour du grand pardon, une prière qui a été donnée par Daniel le prophète. On voit cette prière qui est trouvée dans Daniel, dans les Écritures hébraïques, dans Daniel 9. C'est une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière qui est aussi de circonstance aujourd'hui qu'elle l'était au moment où elle a été écrite. Alors, c'est aujourd'hui très approprié parce que nous pouvons tous sentir la venue du Messie qui est imminente. Alors, ce qui a commencé cette prière, c'est quand Daniel lisait sa Bible et a compris par les prophéties de Jérémie que le Messie devait venir très bientôt. Et pendant qu'il avait raison de croire que le Messie devait venir à cet endroit, à ce moment, une autre prophétie est donnée à la fin du chapitre qui nous donne une autre date. Par contre, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que Daniel a cru que le Messie devait venir de la même façon qu'aujourd'hui. Il est très près de revenir comme... plusieurs dans le judaïsme croient, voient donc un type dans cette prière de confession et de repentance. Alors, nous pouvons tourner nos Bibles vers le livre de Daniel, chapitre 9. Ici, on trouve Israël à la fin de la première diaspora avec le désir désespéré d'avoir une réponse de Dieu. En général, la prière, d'une façon générale, la prière de Daniel est très efficace. On nous dit que aussitôt qu'il a commencé à prier, Dieu, dans son omniscience, a envoyé immédiatement Gabriel, l'ange Gabriel, pour répondre et réconforter Daniel. On nous dit dans le verset 21 qu'il s'approcha de moi d'un vol rapide. Alors l'ange s'est dépêché, il est allé aussi vite qu'il pouvait pour aller toucher et donner plus de révélations aussitôt que la prière a été commencée. C'était comme si Dieu était assis et attendait d'entendre ce genre de prière efficace et il attend encore aujourd'hui de prononcer ses paroles de confession. Alors, en regardant les paroles du prophète, comment est-ce qu'on peut voir pourquoi cette prière était si efficace? Le premier élément qui ressort, c'est que ces pétitions sont basées sur les Écritures, sur la parole de Dieu elle-même, comme il est rappelé de toutes les promesses de Dieu. Il a pris de la Torah, les premiers cinq livres de Moïse, du Ketubim, qui est les Écritures, spécialement des Nevi'im, les prophètes. Il connaissait très bien ces Écritures. Dans le verset 2, il parle de la parole de Dieu dans le livre de Jérémie qu'il a lu. Dans le verset 4, il parle de son alliance et de ses commandements. C'est à cet endroit qu'il dit « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. » Daniel commence avec de l'adoration pour cette alliance qui est inconditionnelle et à quel point Dieu a été vrai envers son peuple. Ensuite, dans le verset 5, il mentionne encore les commandements, il ajoute les jugements, tout ceci, et on voit comment Israël, et il comprenait pourquoi Israël souffrait tant à cet endroit dans l'histoire. Ensuite, dans le verset 6, il rappelle tous les servants, ses servants des prophètes, et il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Daniel avait les livres, avait la plupart de ses livres, il avait Isaïe, Amos, Osée, Jonas et Jérémie, et il croyait que toutes les paroles, toute cette parole de Dieu avait été partagée à travers les prophètes. Et ensuite, dans le verset 10, il parle de la voix du Seigneur dans les lois de la loi de la Torah. Il savait que la Bible est la voix de Dieu et la voix du Seigneur. Et encore une fois, il mentionne ses servants les prophètes. Et dans le verset 11, il parle encore deux fois de la loi de la Torah et encore une fois de sa voix. Vous voyez à quel point Daniel aimait la parole de Dieu. Ensuite, le verset 13, pour la quatrième fois, il mentionne la loi, la Torah, parce que c'est à cet endroit qu'on peut trouver la raison des 70 ans de captivité, la raison de la diaspora présente. Moïse nous dit toutes ces choses comme on verra dans la prière. Daniel prie sa prière de la parole de Dieu.
elle-même. Et c'est une dernière chose que Daniel mentionne. On voit dans le verset 13 qu'il parle de la parole de Dieu comme étant la vérité de Dieu, Emet. Ce mot rassemble tout ceci. Emet veut dire être ferme, vérité dans toute sa puissance. Et ça vient du mot aman, qui parle d'être ferme, encore une fois, de certaineté. C'est une vérité ultime qui confirme, qui établit, et c'est ce que la parole de Dieu est et fait. Emet, c'est un important concept dans le judaïsme. Ils disent que la Torah est identique avec Emet, la vérité, le schéma. Ils appellent les cinq premiers livres de la Moïse la Torah Ha-Emet, la Torah de la vérité. Et c'est aussi, c'est seulement dans les écritures hébraïques que cette vérité est trouvée et nulle part d'autre. Et quand nos prières sont basées sur les scriptures, sur les écritures, Dieu les entend. OK. C'est quand cette confession commence, qui est très descriptive, et c'est surprenant à quel point Daniel est sincère et ouvert. C'est un appel du cœur. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 5. Le mot péché est hatan, qui veut dire de manquer la marque, comme un archer qui manque sa cible. Et péché, c'est une belle description pour ceci, c'est de manquer la marque, mais Dieu, à travers la prière, la confession, nous redirige vers la cible. Et on voit les pronoms pluriels que Daniel utilise et qui parle de la nation au complet. Nous avons péché, il répète 4 fois. Alors, verset 5, il dit « Nous avons péché et commis l'iniquité, nous sommes rebellés. » Dans le verset 6, il dit « Oui, nous avons désobéi. » Dans le verset 8, « Nous avons péché contre toi. » Dans le verset 9, « Nous nous sommes rebellés contre lui. » Dans le verset 10, « Nous n'avons pas obéi la voix du Seigneur notre Dieu. » Verset 11, « Nous tous, tout Israël a transgressé ta loi. » Verset 13, « Nous n'avons pas fait nos prières devant le Seigneur notre Dieu. » Verset 14, « Nous n'avons pas obéi sa voix. » Dans le verset 15, « Nous avons péché, nous avons fait le mal. » Ceci est une vraie confession biblique. C'est une prière de Yom Kippour. Comme David, qui a aussi compris et prié dans Psaume 51:17, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Parce que les hommes et les femmes, dans les écritures hébraïques, Yom Kippour n'était pas seulement une journée à l'année, c'était une constante conférence avec leur âme pour les apporter à la confession. Daniel, écoutez ce que Daniel a dit par rapport à notre besoin de se repentir. C'est la même, tu sais, pourquoi Israël à ce jour a encore de la difficulté. Daniel 9:6 dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, nos chefs, nos pères et à tout le peuple du pays. Nous, Israël, nous-mêmes, les Juifs demandent souvent, si Yeshua est le Messie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas apporté la paix sur la terre? Daniel nous dit pourquoi? Parce que nous n'avons pas écouté les serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom. Et on voit qu'ils sont en opposition aux prophètes de Dieu, nos rois, nos chefs, nos pères et tout le peuple du pays. Les rois, les chefs sont les autorités civiles, nos pères sont les autorités religieuses et ils sont en fait appelés de beaucoup différents noms aujourd'hui. Qui aujourd'hui entend les prophètes de Dieu? Alors, prions. Ô Seigneur, notre... je vais commencer cette prière avec le même que le grand prêtre offrait quand les deux chèvres étaient offerts et quand ils mettaient la main sur leur tête avant de les envoyer dans le désert. Il disait, ô Seigneur, ton peuple, la maison d'Israël a commis l'iniquité, a transgressé, a péché devant toi. Ô le Seigneur, donne-nous l'expiation, je te prie, pour les iniquités et puis tout ça. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Alors, merci pour la congrégation que le Seigneur
L'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen.